Salut à tous, c'est Wilbuzz Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur un jeu différent de Minecraft. Et ben oui, nous ne sommes pas sur Minecraft aujourd'hui, nous sommes sur Super Mario Maker pour nous amuser un peu. Franchement, ça fait plein de petits moments que je m'étais dit, bah tiens, si je diversifiais un peu la chaîne, si je faisais un peu d'autres jeux. Donc c'est le début d'une mini-série Mario Maker. Voilà, donc de temps en temps je ferai des vidéos voilà, sur Mario Maker comme je fais sur la chaîne hein. Des fois je fais des vidéos comme ça, puis de temps en temps j'en refais. C'est un peu une mini-série qui arrive de temps en temps sur la chaîne. Et bah là c'est comme ça, Mario Maker. Donc la série Mario Maker, déjà pour ceux qui ne connaissent pas Mario Maker, je vais vous dire un peu ce que c'est. Et bien tout simplement c'est un jeu inspiré de Mario Bros, même c'est Mario Bros, où on peut créer ses propres niveaux, les publier en ligne et jouer sur les niveaux des gens du monde entier. Donc autant dire que moi en tout cas j'apprécie énormément ce jeu, je l'ai acheté le jour de sa sortie il y a maintenant quelques années. Franchement il est génial, je vous propose tout de suite de le tester. Ce que nous allons faire, on va tester en fait des niveaux qui viennent d'être publiés dans le monde par des gens que je ne connais pas. Voilà, donc on va tester en fait des niveaux créés par des gens que je ne connais pas dans le monde qui viennent d'être publiés. Donc là vous voyez ici on a quelqu'un avec une petite bouche marrante, tu vois, le mec il est en train de rigoler là. On a champignon, on a un truc japonais, voilà, enfin bref, vous voyez on a des niveaux et donc ça c'est des niveaux qui viennent de sortir. Vous voyez, il n'y a personne qui a joué dessus. Donc la petite étoile, en fait on peut donner une petite étoile au niveau si on l'a trouvé bien, et les petits pieds là vous voyez avec le nombre avec marqué 0 aussi, c'est le nombre de joueurs qui ont été dessus. Et ben là on peut voir qu'il y en a 0, vous voyez tout ça c'est 0. La personne qui est dessus, je suis le premier. Alors je vous propose tout de suite de commencer cette vidéo avec le niveau de monsieur A96 Larolle. Donc avec le petit sourire, voilà. En tout cas n'hésitez pas, même pour un futur épisode de Mario Maker, si vous créez un niveau, à me donner l'identifiant de votre niveau, parce qu'on a les identifiants de niveau. Alors là je vois pas, ouais, vous voyez ici il y a marqué identifiant. Donc là voilà, voilà, vous avez l'identifiant devant vous si vous voulez tester ce niveau par exemple. Donc là c'est EB95000 03AEA 33-1, voilà, vous pouvez me donner l'idée si vous voulez créer un niveau pour moi, pour un futur épisode. Ben voilà, n'hésitez pas à me donner l'idée de votre niveau que vous avez créé. Et bref, sans plus attendre, nous allons attaquer ce niveau. Alors, vu le petit sourire, alors j'espère que c'est pas un sourire, genre tu sais, la personne qui te nargue, puis qui te dit ha 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 ha, et ben non, tu m'auras pas. Alors attendez, on va essayer de passer. Alors, ça fait un moment que j'ai pas rejoué à Mario Bros, je vais pas vous le cacher. Alors attendez, directement, je vais essayer, voilà, d'avoir la petite tortue comme ceci. Alors, je crois qu'il y a aucun piège. Alors voyons voir, on a ici les petites pièces qui vont nous guider. Je stresse un peu à l'idée de ce qui va se passer, en plus c'est un château. Rien ne me dit qu'il va pas me mettre un petit Bowser à la fin du niveau. Oh là, il y a la carapace qui est en train voilà, de s'en sortir, de toute façon j'en ai pas vraiment besoin. Alors là on a la suite, bon pour l'instant c'est nouveau, c'est tranquille, j'ai l'impression que c'est pas un niveau où le mec il va faire ah il y a de la difficulté, ah il y a des monstres partout et tout. Non, j'ai l'impression que c'est assez calme, donc c'est bien pour commencer la vidéo. Attends, ici il y a des petites boules de feu, on va essayer de les esquiver au maximum. Le petit stress, alors attends, on va passer comme ceci. Nickel, on passe. Oh là, Bowser t'as l'air Ah ouais, il y a bien Bowser. De toute façon, il n'y a jamais un niveau sans un Bowser quand même. Faut pas déconner. Alors attendez, j'ai ça. On va Oh là. Alors attends, est-ce que je pourrais pas. Non, je peux pas lancer de carapace. Comment je vais faire Bah, il faut faire un saut super loin. Alors attendez, par contre. Bowser qui se suicide devant nous. Non mais est-ce que t'as déjà vu un truc plus drôle que ça? Non mais Bowser, j'y crois pas. Mais vraiment le mec nul, il a fait I believe I can fly et il est mort dans la lave. Je l'ai même pas touché. Ah, j'avoue que ça, on me l'avait jamais fait. Bowser qui se suicide tout seul dans la lave, c'est une première. Ah non, non, ah non, là c'était drôle. Ah bah là, déjà on commence la vidéo en beauté. Le stage est terminé. Nous sommes la première personne du coup à avoir terminé ces niveaux dans le monde. Enfin, à part par la personne qui l'a créé, normalement. Parce que là, j'ai pas eu de. Non, on a un petit truc qui me dit ah, vous êtes la première personne à l'avoir réussi. Eh bah non! Il y a une autre personne qui l'a faite à l'instant là, regardez, Ricardo, aussi de la France. Et bah du coup, bah non, je ne l'aurais pas battu. On va continuer donc avec Champignon. Franchement, ce premier niveau, je suis content, ça en est super bien sorti, on n'est pas mort une seule fois. Bowser s'est suicidé devant nous. Alors Champignon, oula, je sens que c'est un niveau des champignons what the fuck, mais il n'y a aucun... Bah, je veux dire, il n'y a aucun respect au niveau de la difficulté en fait. Ouais, ok, c'est juste des champignons. Bon, ok, c'est pas un niveau intéressant, enfin, désolé, hein, mais... Ouais, regardez, c'est juste un niveau, on va se transformer comme ça à l'infini. Attendez, je vais sauter parce que... Parce que sinon on n'a jamais fini. Oh, what? Mais t'es fou mec! Mais t'es fou de mettre trop de champignons! Oh mais le bruit que ça doit faire en plus! Mais alors, les transformations... Toi, si t'aimes bien les transformations de Super Mario Maker, ce niveau je crois que t'es servi. En fait le niveau il est long, mais c'est juste parce que t'arrêtes pas de te transformer en plein de trucs. Du coup je finis en chaîne le mouton, c'est génial. Bon, c'était le niveau du Nawak, pas de difficulté.
Allez, on va continuer, j'espère sur une meilleure lancée, parce que bon, ce niveau, je veux pas dire, mais il était pas ouf, pas ouf. Désolé pour le crâne, hein. Voilà, c'est... Bon, attention, sympa, des fois, on fait des petits niveaux comme ça pour se divertir, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc, alors, on va faire quitter. Le record du monde, c'était 5 secondes, non, 5 minutes, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. En tout cas, je suis pas le record du monde, même si je suis le premier... Non, non, c'est juste qu'il m'indique que j'ai fini le niveau. Bref, on va faire le troisième niveau sur la liste, c'était un niveau écrit en japonais, dans le style Super Mario Bros. U. Ah là par contre il y a vraiment personne qui l'a fait, donc si je réussis, ah, là j'ai la classe mec, là j'ai la classe d'avoir fini ce niveau en premier mondial, en premier mondial, mondial, mondial. Donc alors, on va voir tout de suite alors, ok, oh là, et là déjà c'est un japonais, tu vois directement la difficulté. Alors attendez, là il faut se cogner contre la paroi, ah oh, mais attendez c'est méga chaud, en fait c'est pas méga chaud, mais en fait je vois des trucs là-haut là qui me font, oh, voilà, c'est typique, mais what, mais attends après faut... Faut refaire un ricochet sur le mur de... Mais purée, mec, c'est quoi ton niveau? C'est quoi ton niveau? Mais tu pourrais pas me donner un truc simple? Alors, attendez. Ah! 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 Non! Non! C'est... Purée, trop chaud! Alors, attendez. En fait, je voudrais pas mourir bêtement, mais... Oh, mais waouh! Ah, là, ton niveau, mec, là, c'est du level. Si j'ai réussi... Attends, on va quand même essayer... Tenter un truc! Mais à chaque fois, en plus, je dérape sur la touche. Alors, attendez. I believe I can fly. Oh non. Alors, donc en fait faut descendre le plus bas possible et faire le ricochet. Oh mais mec c'est un niveau de malade. Alors là par contre, c'est vrai que j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais si on tombe sur des niveaux comme ça, je vous promets pas de les finir parce que on va essayer d'aller le plus loin possible. Challenge accepted. Attends, on va essayer mais... non. Mais déjà le niveau tu le sens pas dès le début, tu vois un truc comme ça. Mais mec, j'espère que t'as mis des checkpoints au moins, parce que si je dépasse cet endroit diabolique, s'il n'y a pas de checkpoint, je fais pas ton niveau. c'est catégorique. Oh purée, mais attendez. Je crois que je vais faire une chanson, c'est tu crèves. Non mais j'arrête pas de mourir. Et ça va être long, mais je veux au moins passer ce passage. Please. Ce serait vraiment génial. Attends, faut être détendu, faut pas être crispé, tout dans la détente. Et Mario est en train de faire n'importe quoi. Ah mais Mario! My name is Mario. Attends. Ah non, j'ai fait n'importe quoi. Mais en fait, j'arrive pas. Rien que cet endroit est méga dur. Oh, j'ai la technique. Non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai sauté à la fin. C'est mon stylet qui vient de tomber. Ah, ça va être le niveau de la rage. Le niveau où tu sens que il faut une telle maîtrise que c'est digne de. Yes. Non. Mais what? Après il faut remonter. Mais c'est un truc de gros malade ton niveau mec. Mais c'est un truc de... Mec. Oh. Non. C'était quoi ce bruit Mario? C'était quoi ce saut pourri? Mais fais pas des sauts comme ça. Mario tu sais il désespère, il est là en mode non, je ne veux pas mourir. Yes. Non mais t'es... Oh, dernier essai, je vous jure c'est le dernier essai parce que je c'est digne d'un moine Shaolin ça. Alors attendez, hop, ça déjà cette partie je la maîtrise maintenant. Mais non mais il faut vraiment être au bord de tomber dans le vide pour réussir un truc pareil. En plus c'est vrai que comme ça fait longtemps, en fait là je suis en train de me foirer avec mon gamepad dans les... Je fais droite-gauche, là vous voyez pour à chaque fois monter droite et gauche. Et du coup bah je... Oh oui. Oh, je suis un dieu. Non. Mais j'ai encore fait tomber mon stylet. Je vais l'enlever en fait. Voilà, c'est bon, j'ai enlevé le stylet. Comme ça, moi je... Non, mais attendez. Non, mais monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. J'avais réussi le passage ultra compliqué. Hey, qu'est-ce que tu m'as embêté, monsieur l'arbitre? Oh non. Attends, j'ai fait réussir du premier coup, là. Le jeu, il m'a fait... Non, tu réussis pas du premier coup, toi. Alors, attendez. Hop, droite, gauche, droite. Loupé. Ouh. Ah non, attends, détente, non. Et j'ai réussi un truc de gros malade, là, c'était, j'étais en mode, alléluia, j'étais en mode comme ça, quoi, attends. Non, un pixel près, attends, et franchement, là, en fait, c'est le niveau du challenge, si je réussis à passer cette partie un jour, mec... Yes. Non, j'ai ressauté trop tôt. Yes.
Non, mais t'es Mario! Mario, je te hais! Mario, je te hais! Alors attends. Yes, yes. Ah, hey, c'est bon, là, on a chopé bien la technique. Oh, yes, yes! Oh, yes, on est à l'endroit sacré du. Non! 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 Ah non, mais clairement, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Mais non, mais. Non. Calme-toi, Will Boss, calme-toi, tu vas réussir ce purée de niveau. Tu vas le réussir, enfin, réussir, non, je sais pas, mais... je pense que là, je m'enjoie un peu trop, parce que réussir un niveau comme ça... à moins de passer 3 ou 4 heures, comme je l'ai dit en début de vidéo... Allez, déstress... Décontracté. Non. Si, non. Ça fait non. Ah, si, ah non. Ça passe pas. Je pense, en tout cas, ce niveau est pas trop long parce que j'ai vu qu'il y avait même une deuxième dimension avec le château de Bowser. Mais si c'est ça dans le château de Bowser. Non! Mais je me suis payé le petit rebord là-haut. Mais j'ai l'impression que le petit rebord il est calculé pour que tu sautes et que tu te le prennes, mon gars. Voilà, c'est ça. Yes. La rage dans Super Mario Maker commence à m'envahir. Non, Mario Rebord, Mario Rebord, là, ça va être le nouveau nom du jeu. Mario Rebord, le nouveau jeu à 350€. Là, je suis en train de péter un plomb, là. Hop. Non. Attendez. Yes, yes. Bon, la première partie, j'arrivais pas au début. Là, clairement, c'est devenu la partie la plus simple. Non. Mario. Yes. Yes, yes, yes. Attends, est-ce qu'il y a un truc là-haut? Il y a absolument rien. Voilà, voilà. Bon, par contre, là, maintenant, le moment du stress, c'est le saut de l'ange. Je déteste les sauts de l'ange parce que je sais pas où aller. Oh, 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 purée, oh, la chance. Oh, oh, et là, vous pouvez m'applaudir dans votre maison, là. Vous pouvez m'applaudir. Alors, attends. Non. Non, il marche pas. Comment je fais pour passer, alors? T'en fallait passer là-bas? Oh non, mais genre c'est un troll, c'est le troll du tuyau, le mec qui t'a mis un tuyau pour faire croire que t'allais passer. Attends, attends. Je n'y crois pas. Je peux pas croire qu'il ait fait un truc pareil. Attends, non, non, il y a forcément un truc. Il y a forcément un bloc caché. Non, t'as pas pu faire ça, mon gars. Non. Oh, non, mais t'es sérieux. Tu veux dire que là, tout ce que j'ai fait, faut que je recommence tout. Ah ouais, mec, il a fait... Je te déteste. Je te déteste, toi et ton niveau, mais je te déteste. Mais à un point, tu peux pas savoir. Donc, on repart du début. Oui, avec les trucs de fou. Alors, attendez. Hop, je me concentre un maximum, là. Oh, et vous voyez, maintenant, là, on sent que le mec, il gère ce passage, parce que... Yes, donc, alors là, faut faire le sprint de ta vie. Et lorsque je l'ai fait du premier coup, mec... Quoi? Non, mais... Mario, t'es sérieux, là? Non! Ah, d'accord, j'ai compris. Attends. Attends. On va retenter l'expérience. Ah, mieux ça! Ah, je sens que ce niveau, il va m'énerver. Je le sens, mais d'une force, attendez. Genre, ce que les deux premiers niveaux, c'était genre digne d'un enfant maternel de les réussir. Et là, tu tombes et paf! T'as le niveau de la moelleté! Non, le rebord. Le rebord, le rebord, s'il vous plaît, faites-moi un don pour ce niveau du diable, voilà, clairement, j'ai juste envie d'appeler cet épisode comme ça, tu vois, le premier épisode de Mario Maker, mais purée, la rage est installée, mais purée, la rage est installée, non, mais attends, mais mec, franchement, comment il a réussi à faire son niveau, mais le mec, il devait le connaître par cœur, son niveau, quoi, yes, le petit rebord géré, bah oui, parce que moi, je m'appelle pas Will Boss pour rien, et on repasse ici. Et là, c'est la mouise. Non, non, mais t'es... Mais pour passer ce truc, il faut la patience d'un moine Shaolin. Sérieux. Bon, alors, attends. Maintenant, partie délicate. Mais mec, je te déteste. Mais mec, comment passer cet endroit? Cet endroit, il y a un pixel de marge. Mais sérieusement. Alors, attendez. Hop. Non, trop. Et vous avez vu, la Mario, il a fait un petit écart à la fin. Ça signifiait que j'étais tout proche de réussir. Tellement. Bon, du coup, il y aura pas mal d'ellipses, hein. Parce que là... Parce que là, clairement, je m'attendais pas à un niveau comme ça. Tu sais, là, le mec, je suis tombé sur un niveau de rage, mais que j'ai envie de terminer. Même si je suis sûr que je le terminerai jamais, mais... Non, faut pas dire ça, mais je veux dire, si je le finis
un jour. Oh, oh yes, yes. Oh. Alors attendez. Mais what? Mais t'es sérieux? Mais t'as mis ton tuyau d'enfoiré à aussi loin. Alors attendez, là franchement on était proche du but hein. Oh non, on était proche du tuyau. Et franchement je vais vous dire, si on atteint le tuyau, pour moi c'est la fin du niveau. C'est clairement ça. Si on atteint le tuyau, pour moi je me dis ouais c'est bon hein. Alors attends. Parce qu'en même temps c'est un niveau de rage, mais tu vois que c'est pas un niveau de rage juste bête et méchant, tu vois quand même le mec il a travaillé dessus. Bon, il a quand même mis des trucs vachement Alors là c'est le passage de la Molia où t'es obligé de crever 15 fois, purée d'endroits de pourriture. Où t'es obligé de crever 15 fois. Je sais même pas comment j'ai fait pour le passer juste avant. C'était purement au pif. C'est vrai qu'après, une fois que t'as passé un endroit comme ça, encore une fois, bah tu sais pas ce qui t'attend derrière. Donc du coup, t'es là en mode, mais je vais où, je fais quoi? Et honnêtement, si j'avais su, je pense que... En fait, c'est le niveau du rebord. Tout se joue sur le rebord. Si tu foires un saut, c'est mort. Alors attends. Non, mais purée de rebord. Mais le rebord du haut, là, il m'énerve. Il m'énerve, mais c'est un truc de fou. Alors attendez. Genre ce que j'arrête pas de vous dire, attendez depuis le début, tu sais. Les mecs, ouais, c'est sûr que vous attendez peut-être un peu trop là. Je veux pas dire. Oh non, mais quel abruti. Mais quel abruti, j'ai fait droite-gauche sans réfléchir. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Les mecs, les filles, et tout ce que vous voulez. Je veux juste réussir ce purée de niveau de l'enfer de Satan. Purée. C'est tellement un truc de malade, ton truc. Non! Mais non, mourir comme ça! Ah non, c'est la pire mort qui pouvait m'arriver. La pire mort qui pouvait m'arriver. Arriver à un stade, à ce stade de la compétition et mourir comme ça, c'est pas digne de moi. Oh non, mais... Yes. Ceci. Millimétré. Le speedrun, on continue. On passe ici. Là, vous voyez, maintenant... Je vous jure, je connais les trucs. Alors maintenant, on fait ça. On fait ça. Allez! Oh non! J'étais sur le tuyau! Non! Non! Allez, je suis en train de faire des bruits bizarres. Je suis en train de me transformer en un zombie des ténèbres. Mais là, j'étais sur le tuyau. J'avais atteint cette destination purée de piquant. J'avais atteint cette destination. Cet endroit maudit là, cet endroit maudit. J'ai cru que j'allais encore mourir au même endroit là. J'étais en mode vénère. Oh, oh yes, j'ai réussi les mecs, j'ai réussi. On est non, ah non, non. Et hey, toi tu me fais pas un coup comme ça. Non. C'est pas grave. On a fini là, les mecs. On a fini pour moi le niveau. Je n'irai pas plus loin. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Dites-moi si vous voulez une partie 2 de ce niveau. Mais je vais mettre en pause. Je vais quitter le stage. Je vais quand même mettre une étoile. Mais je veux dire les mecs. Ce que je veux vous dire, si vous voulez une partie 2 de ce niveau dans l'avenir, dites-le moi en commentaire. Mais moi, pour moi, là, j'ai eu ma dose de Mario Maker et de rage. Bah, je suis content d'avoir réussi pour ce truc du tuyau. Mais le truc du tuyau, mais c'était infaisable. Bref, en tout cas, voilà. On sort quand même bien amusé. Et puis même dans ma rage, de toute façon, je rigole toujours. Vous avez pu le constater, j'arrête pas de rigoler. Mais ouais, voilà, ça me fait marrer. Moi, de toute façon, je passe quand même un bon moment. J'espère que vous avez passé également un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou aussi à me le dire en lâchant un petit pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne si vous me découvrez grâce à cette vidéo, et activez aussi la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes futures vidéos. Et sinon, moi je vais vous laisser là, je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vais vous dire salut à tous, bye bye, c'était Woolboss Gamer.